favori, mais surtout une chute il y a quelques instants qui est intervenue à l'arrière. Et là, beaucoup de coureurs sont repartis. Regardez l'image telle que nous l'avons vécue il y a quelques instants. Une chute monumentale avec ce coureur de l'équipe Kern qui freine, mais surtout devant lui. Pourquoi il freine? Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont déjà au sol sur le passage de ce petit pont un peu avant Montpezat. Et regardez Valentin Ferron suspendu au-dessus de ce petit pont, enfin sur le parapet de ce petit pont, qui a été victime de cette chute. Attends, les commissaires sont en train d'arrêter parce que tout simplement on a vu que c'était toujours pas reparti. Hein. Et je pense qu'au niveau de la sécurité, on n'a plus de voitures suiveuses, on n'a plus de voitures médicales qui... Bah, je pense qu'on arrête la course. On neutralise la course pour la sécurité des coureurs. La règle est simple. C'est très rare cette situation. Là, c'est Benoît Cosnefroy qu'on voit sur la gauche qui est en train de rentrer, qui a énormément de mal à s'arrêter. Et on revoit. Hein. Donc, sur ce pont, ça frottait énormément. Thibaut Pinot a été victime de la chute également. Il est au niveau un peu de Valentin Ferron.